Cette chorégraphie que nous avons créée avec les étudiants, nous l'avons pensée autour de l'idée d'entraide et d'inclusion et comment ça se traduit en termes de mouvement. Donc ce qui est intéressant en danse, c'est qu'on va utiliser aussi le rapport à l'autre et comment on peut s'entraider pour aller plus loin dans le mouvement. Et donc c'est vraiment par rapport à cette idée-là, je trouve que la danse rejoint le travail du service Respect et Égalité. Le service pour le respect et l'égalité, c'est un service qui a été monté en 2022 et qui est dédié à la prévention et au traitement des situations de violence sexiste et sexuelle, de harcèlement et de discrimination. C'est un service qui est composé de juristes, de psychologues et qui permet d'accompagner tout témoin ou toute victime de ces thématiques, soit les violences, soit les discriminations, soit le harcèlement. L'ambition de l'université, c'est de protéger les étudiants et les agents, et de faire en sorte que chacun et chacune puisse venir étudier et travailler en toute sérénité.